Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. On démarre cette édition au Maroc avant la reprise normale du trafic ferroviaire. Notre équipe a visité l'un des centres de maintenance pour avoir un net aperçu quant aux préparatifs techniques et sanitaires adoptés par l'Office avant la reprise. Plus de détails dans son reportage de Driss Bousséran avec les récits de Souet Jalil. Après deux mois d'arrêt, ces trains se préparent à reprendre les rails après la fin de la période d'urgence sanitaire. Ici, dans ce centre de maintenance des trains à grande vitesse, toute une batterie de mesures est adoptée pour maintenir le bon fonctionnement et la disponibilité de la flotte Alborac et ce, dans le pur respect des consignes sanitaires. Notre première phase, pendant le premier mois d'état de, de, d'urgence sanitaire, a consisté à, à, à travailler avec 11 collaborateurs euh, euh, volontaires et on les a confinés au niveau du technicentre de maintenance à Tanger, ce qui nous a permis de maintenir un, un, un minimum d'activité euh, industrielle. Nous nous sommes complètement adaptés. Euh, nous avons transformé finalement notre entreprise en une usine à formation, euh, tout simplement pour permettre à l'ensemble de nos collaborateurs de continuer de travailler, de, de, rester, euh, de rester mobilisés. Euh, toujours dans, dans l'idée de, de, de préparer la reprise. Enfin, et c'est ce que nous faisons actuellement, c'est la quatrième phase, euh, nous préparons euh, de manière ardue le déconfinement, tout en continuant à, à, à mobiliser l'ensemble de nos collaborateurs que nous, que nous avons maintenus en situation soit de télétravail, soit de téléformation, soit d'intervention ponctuelle sur site. Nous avons favorisé le télétravail, un dispositif de formation adapté pour nos collaborateurs afin de permettre et maintenir une activité, et l'organisation et le contrôle. Sur chaque vacation, un référent sanitaire a été mis en place afin de s'assurer et veiller que les mesures soient bien appliquées par l'ensemble des collaborateurs, un plan d'audit hebdomadaire qui nous permet de mesurer et contrôler l'ensemble des mesures, et un rex quotidien des actions déployées depuis le début de la pandémie. Pendant la période d'arrêt, un entretien mécanique complet des moteurs est périodiquement effectué, des mesures consolidées par le respect de la distanciation sociale entre les techniciens et la stérilisation complète des équipements, des mesures hautement nécessaires pour accompagner la reprise progressive du trafic et garantir des conditions optimales pour un déplacement protégé.